Contrairement aux idées reçues, boire de l'eau en bouteille n'est pas un gage de sûreté sanitaire. Des chercheurs ont en effet testé des bouteilles d'eau dans plusieurs pays, dont les États-Unis, et y ont trouvé des particules de plastique. Des particules de plastique dans de l'eau en bouteille des marques Evian, San Pellegrino. Des chercheurs ont testé l'eau de plus de 250 bouteilles dans 9 pays dont le Liban, l'Inde ou les États-Unis, sous la conduite de Sherry Masson, professeur à l'Université de l'État de New York à Fredonia, selon une étude publiée sur la plateforme médiatique Orb Media. 1. Du plastique a été trouvé dans 93% de ces échantillons d'eau en bouteille issus de plusieurs marques comme Aqua, Aquafina, Dasani, Evian, Nestlé Pure Life ou San Pellegrino. Les eaux en bouteille contiennent aussi du plastique copyright Niglaynic. Il s'agissait notamment de polypropylène, de nylon et de polytéréphtalète d'éthylène, PET. En moyenne, les chercheurs ont trouvé, dans chaque litre d'eau, 10,4 particules d'une taille environnant 0,10 mm. L'eau en bouteille de nombreuses grandes marques à travers le monde est contaminée par de minuscules particules de plastique dont les dangers sur la santé sont méconnus, précise une étude publiée mercredi 14 mars 2018. Des particules de plastique également présentes dans l'eau du robinet. Pour rappel, une précédente étude publiée par Orb Media avait montré que des particules de plastique étaient également présentes, en moins grande quantité, dans l'eau du robinet. L'étendue des risques que posent ces particules sur la santé humaine est aujourd'hui méconnue. Jacqueline Savitz, responsable Amérique du Nord pour l'ONG Oceana qui lutte contre la pollution des océans, a estimé que cette étude apportait une raison de plus pour limiter la production de bouteilles d'eau en plastique. Pour rappel, 1 million de bouteilles en plastique est écoulée chaque minute dans le monde. La solution, moins de plastique copyright Nokuro Shutterstock. Une étude réalisée, en août 2017, par le cabinet de sondage TNS Sofres en collaboration avec le Centre d'information sur l'eau, CLO, démontre que les Français aiment boire l'eau du robinet et le font de plus en plus. Si, en 2006, l'eau en bouteille remportait la manche face à l'eau du robinet avec 64% des consommateurs buvant de l'eau minérale ou de l'eau de source contre 54% préférant l'eau du robinet, la donne a complètement changé en 10 ans. Dorénavant, 66% des Français boivent l'eau du robinet et 34% à peine préfèrent donc l'eau en bouteille. À lire aussi, eau en bouteille versus eau du robinet. Pour vous c'est un clic, pour nous c'est beaucoup. Consoglobe vous recommande aussi.